Alors, je vais donc parler d'évitement et je vais vous dire les choses suivantes. La principale cause de l'évitement, c'est la médiocrité de la loi fiscale française. La réforme de la loi fiscale. De loi fiscale française, ouais. Les réformes qu'on peut faire, les clauses anti-abus, etc., sont devenues très difficiles parce que nous ne sommes plus maîtres chez nous. Nous sommes dans l'Union européenne, j'y reviendrai là-dessus. Je dirai un mot de l'international et je terminerai par l'efficacité de l'outil de l'abus de droit. Alors, la loi fiscale française est devenue très médiocre parce qu'elle s'est déformée progressivement au cours du temps et qu'il n'y a jamais eu aucun gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, qui ait eu le courage, à quelques exceptions près, de faire véritablement les réformes nécessaires. Et donc, on est dans une espèce de système extravagant où les défauts de la loi fiscale engendrent l'évitement. Les gouvernements, quelle que soit la couleur, cherchent à contrer les évitements par de nouvelles stipulations qui aggravent la mauvaise qualité de la loi fiscale et qui génèrent de nouveaux évitements. Il y a une espèce de spirale ascensionnelle qui est très, 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 très pénalisante. Alors, je n'insiste pas, je vais passer en revue quand même quelques impôts. Sur l'impôt sur le revenu, j'insiste pas. Le fait qu'il y ait 45% de ménages qui paient l'impôt sur le revenu est tout à fait anormal. Quand j'étais à Sciences Po, Michel Rocard était venu. Et il revenait des pays nordiques, il nous avait dit la Suède, il y a une fiscalité démocratique, il y a 98% des gens qui payent l'impôt sur le revenu. Très bien. Nous avons une progressivité rapide, mais faible au départ, à la différence par exemple de l'Angleterre. Et donc, on a beaucoup de gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a que les riches qui doivent payer l'impôt sur le revenu. Alors, en plus, le rêve de tout Français, c'est qu'il y ait une personne monstrueusement riche, qui paye l'impôt sur le revenu pour tout le monde, et puis tout le monde est exonéré. C'est à peu près ça le fantasme français. Et donc, ce fantasme, on l'a vu d'ailleurs quand on a voulu instituer la taxe sur les hauts revenus de 75%. Le Conseil constitutionnel l'a censuré, à la surprise générale, et conséquences confiscatoires. Et il a fait la théorie que j'ai appelée la théorie du millefeuille. Il a dit, pour apprécier le caractère confiscatoire d'un impôt, il faut regarder tous les impôts de même nature. Ils s'ajoutent les uns et les autres. Et dans son dernier état de la jurisprudence, le niveau confiscatoire se situe plutôt vers 70%, ce qui est global, plutôt global, ce qui est une révolution par rapport à la période antérieure, puisque la Cour de cassation disait qu'un impôt était confiscatoire lorsqu'on était obligé de vendre son patrimoine. La taxe d'habitation, j'insiste pas. Je me souviens être allé avec Poncelet quand il était président du Sénat aux États généraux du Limousin. Il avait dit, mes chers amis, quand il y a la moitié des Français qui payent l'impôt sur le revenu, et quand pour la taxe d'habitation, il y en a un tiers qui est exonéré et un tiers qui la paie avec abattement, comment voulez-vous que nous fassions fonctionner la fiscalité française? Alors, je vais dire un mot particulier de l'ISF. L'ISF, c'est quelque chose qui est devenu extravagant. Peut-être l'idée au départ n'était pas idiote, mais c'est devenu extravagant. Et aujourd'hui, si le gouvernement quelconque présentait un projet de loi instituant l'ISF avec l'assiette et le taux
qui sont les siens aujourd'hui, ça ne passerait pas le Conseil constitutionnel en l'état de sa jurisprudence au nom du principe d'égalité devant l'impôt. Pourquoi c'est un gruyère? C'est parce qu'on a multiplié les exonérations. Alors il y avait au départ l'outil de travail, les œuvres d'art. Depuis, on a exonéré le foncier lié aux professionnels. Quand vous avez dans votre patrimoine privé un immeuble que vous louez à vous-même pour l'exercice de vos activités professionnelles, c'est exonéré, on se demande pourquoi. On a fait le Dutreil, c'est-à-dire l'exonération de 75% des pactes d'actionnaires pour éviter que les familles partent à l'étranger ou vendent. On a fait l'investissement dans les PME et on dit, mon Dieu, alors si on supprime l'ISF, qu'est-ce qui va rester comme investissement dans les PME? Je veux dire, on marche sur la tête. Vous voyez bien comment cet investissement dans les PME, on a permis aux gens de défiscaliser. Et on est dans un engrenage absurde, puisque on dit, mais si on supprime l'ISF, quelle va être l'incitation fiscale qui va permettre de continuer à investir dans les PME? J'ajoute que sur les holdings, l'essentiel de des règles est dans la doctrine administrative, sans base légale, que l'autre jour, ils ont mis encore la DLF, pour laquelle j'ai beaucoup d'amitié, a mis en consultation publique une nouvelle doctrine sur les doctrines qui fait que Bernard Arnault, Pinault, tous auraient été imposés à l'impôt sur la fortune. Du coup, bon. Donc, on est dans un domaine. Alors, c'est intéressant du point de vue de l'évitement, parce que finalement, le taux est confiscatoire, puisque à 1,5%, si vous voulez le payer avec des revenus distribués, ça vous fait un rendement de 3,2%, et donc il y aura beaucoup de choses, beaucoup d'investissements qui en ce moment rapportent 3,2%. Alors j'ai entendu le secrétaire d'État au budget, Eckert, dire quand même, c'est scandaleux, les évitements, etc. Et ça tient au fait que sous l'influence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on a mis un plafond de 75%. L'impôt sur le revenu plus ISF ne peuvent dépasser 75% du revenu. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils ont arrêté de se distribuer des revenus et ils ont vécu sur leur capital. Vous n'avez plus de revenus, vous avez un capital liquide, vous vivez avec votre capital, vous ne payez pas d'ISF, et l'un dans l'autre, l'absence de revenus auxquels vous renoncez sur la partie dans l'investissement de votre capital vous rapporte plus, est plus avantageuse que le paiement de l'ISF sur l'ensemble. Alors le gouvernement avait dit, eh bien, nous allons imposer les gens qui ont des sociétés qui ne distribuent pas de dividendes. Alors, outre que c'était d'une complexité technique effrayante, le Conseil constitutionnel a dit, ben non, je veux dire, à partir du moment où on ne peut pas obliger les gens, les sociétés à distribuer des revenus, à partir du moment où il n'y a pas de revenus, on ne peut pas prendre en compte les revenus virtuels dans l'appréciation du plafond de 75%. Et finalement, cet ISF, il est largement un impôt sur le foncier. Encore que, à l'heure actuelle, les gens ont intérêt à s'endetter massivement pour financer leur foncier. Mais il y a un point sur lequel je voudrais revenir qui m'a toujours beaucoup préoccupé. Vous savez que, avant qu'on institue le régime des impatriés, il était impossible de faire venir des cadres supérieurs en France. Les cabinets anglo-saxons ne pouvaient pas recruter un avocat américain ou anglais. Ils refusaient tous de venir en France à cause de l'ISF. Et donc on a fait le régime des impatriés, d'abord par convention, puis ensuite par la loi, ce qui fait que pendant 5 ans, on a un régime qui ressemble à la rémittance basis anglaise, c'est-à-dire qu'on n'est pas imposé sur ses avoirs détenus à l'étranger. Mais tout ça a été très très bien, très intelligent, je vous l'accorde. Mais alors quel était le résultat? Vous avez vu l'exemple de Sanofi. Je suis étonné que personne n'ait donné la clé de Sanofi. Sanofi avait un président du directoire, très bien, Philippe Barra, d'origine néerlandaise.
Et puis, il était là depuis 5 ans, et puis au bout de 5 ans, il a fait très bonne chose, ses deux filles, et puis au bout de 5 ans, il annonce qu'il va à Boston, que bien entendu, il reviendra en France pour présider les conseils d'administration. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Il voulait partir à Boston au bout de 5 ans, à l'expiration de son régime d'impatrié, pour ne pas payer l'ISF sur son patrimoine mondial. Alors, Weinberg l'a viré, etc. Mais à cette occasion, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris que la direction du personnel, la direction des ressources humaines de Sanofi était à Boston, la direction de la recherche était à Boston, et la direction financière à New York. Bon. Et donc, ce système-là, ce cas de figure, je prends, c'est vrai aussi pour Schneider Electric, c'est vrai, vos fameux champions du CAC 40, eh bien, ils n'ont pas transféré leurs cirques sociaux. Mais ils ont transféré les directions. Parce que dans des entreprises internationales, comme celles que nous avons, où naturellement, par la force des choses, les cas d'étrangers sont devenus plus importants, plus nombreux que les Français, ils ne veulent pas payer l'ISF. Donc, qu'est-ce qu'on fait au lieu, on ne décalise pas le siège social, mais on décalise les directions. C'est d'ailleurs si vrai. C'est que le gouvernement avait imaginé un système d'imposition de la plus-value latente quand on délocalisait une direction. Et tout ça, techniquement, c'est impossible. Techniquement, c'est impossible pour des raisons d'évaluation, de trucs, puis ça n'a aucun sens. Et ça a été censuré une nouvelle fois par le Conseil constitutionnel. Pour vous dire que là, c'est un très bon exemple, cet ISF, de... Je ne prends pas de jugement sur cet impôt, etc., qui, moi, j'estime l'assiette déficiente. Mais à chaque fois qu'on essaye, à chaque fois qu'il y a un évitement légal, à chaque fois que les entreprises, plutôt de se délocaliser, délocalisent leur direction, eh bien, on se trouve le bec dans l'eau, on veut faire quelque chose, on n'y arrive pas, et donc, voilà. Autre exemple, il faut quand même, oui, autre exemple, quand même très intéressant, c'est le système des taxes foncières. Le système est à bout de souffle. Pourquoi ? Parce que les comparaisons sont faites avec des locaux loués dans des conditions normales en 1970, c'est-à-dire il y a plus de 45 ans. Et le Conseil d'État a dit, ben, quand le local qui servait de comparaison, en réalité sont des chaînes, parce que vous prenez un local de comparaison qui lui-même avait été évalué par rapport à un local de comparaison, lui-même évalué par un local de comparaison, ainsi de suite. Et le Conseil d'État a dit, quand le local d'origine, celui qui est à l'origine de la chaîne, a disparu ou a été transformé, par exemple, un local industriel transformé en local de bureau, il ne peut plus servir de comparaison. Donc toute la chaîne s'effondre. Donc il n'y a plus, pour évaluer les valeurs locatives, de local de comparaison. Alors, le gouvernement a dit, il faut quand même parler au plus pressé, etc. Et il a fait voter une disposition de validation rétroactive. Et cette disposition de validation rétroactive a été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc on se trouve absolument le bec dans l'eau. Et autre exemple d'absurdité, tout ça favorise naturellement des comportements d'évitement. La distinction entre les locaux commerciaux et les locaux industriels. Le critère, c'est l'utilisation prépondérante de moyens qui sont utilisés dans l'industrie. Tracteurs, grues, réfrigération, etc. Donc des silos, selon qu'on les exploite de façon plus ou moins mécanique, ce sont des commerciaux, les locaux commerciaux plus avantageux, ou locaux industriels moins avantageux. Autrement dit, dans ce système, plus on modernise l'outil de travail, moins on est avantagé fiscalement. Et je dois dire qu'en 1912, mon collègue Léon Blum, qui était maître des requêtes au Conseil d'État et commissaire du gouvernement, avait, dans une affaire, les grandes blanchisseries de Pantin, dit que ce système était imbécile. Et nous sommes combien de temps après ? 103 ans après, et nous avons toujours ce système imbécile. Alors, autre exemple que je voudrais donner... C'est celui des plus-values immobilières. On avait sous Chirac
Je ne sais pas quand ça remontait, mais on se souvient, on avait un système à peu près équilibré avec une exonération au bout de 15 ans et une assiette dégressive de 10 à 15 ans. Sarkozy l'a fait passer à 30 ans. Avec en plus un système de dégressivité qui fait qu'on n'avait pratiquement aucune exonération en 20 ans. François Hollande l'a fait revenir à 22 ans, mais 30 ans pour la CSG et la CRDS. Ces systèmes, je le constate tous les jours, ces durées excessives par rapport à la vie humaine et par rapport à la vie des affaires et par rapport à la vie des investissements, fait que s'agit... Excusez-moi. Ça génère naturellement des dispositions d'évitement, et je vois tous les jours des gens qui essayent, etc., d'éviter. Alors, est-ce que les réformes étaient impossibles ? Non. Il y a un bon exemple qui est celui de la réforme de la taxe professionnelle, avec une base saine qui est la valeur ajoutée. On a abandonné les équipements, c'était absurde d'imposer les entreprises aux investissements. On a un taux national, donc tout ça fonctionne très bien. Alors, cette réforme, moi j'avais déposé mon rapport en 2004, et puis, naturellement, comme tous les rapports de réforme, on n'y donne pas suite. Et puis, un jour, en 2008, le président Sarkozy devait aller faire un discours dans lequel il annonçait une réforme, je ne sais plus laquelle. Et puis, au dernier moment, cette réforme n'était techniquement pas prête, on ne pouvait pas l'annoncer. Alors, il demandait à ses conseillers, mais alors qu'est-ce que je fais ? Alors, il y en a qui a dit, ah, mais il y a la réforme de la taxe professionnelle que nous avons en deux. Et donc, il est allé annoncer, parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, la réforme de la taxe professionnelle. Sinon, on ne l'aurait jamais faite. Or, finalement, elle n'a pas été très difficile à faire. Alors, le deuxième point que je voudrais développer, c'est que nous ne sommes plus maîtres chez nous. Bien sûr, il y a une seule fiscalité dans l'Union européenne, qui est la TVA. Mais il y a quatre libertés, et notamment il y a deux libertés qui ont fait des ravages, qui sont la liberté d'établissement et la liberté de circulation des capitaux. D'autant plus que la liberté de circulation des capitaux, elle n'est pas seulement entre les pays de l'Union européenne, mais avec les pays tiers. Et ce qui est assez curieux, c'est que pendant très longtemps, on ne s'est pas avisé que, sur le plan juridique, que cette liberté de circulation des capitaux était également avec les pays tiers. Et puis, depuis une dizaine d'années, les justiciables s'en sont rendus compte et on est en pleine évolution. En plus, deuxième, ça a eu un effet ravageur sur les clauses anti-abus. Je prends, si vous voulez, très rapidement quelques exemples. Il y a l'article 209B qui permet d'imposer... Les bénéfices réalisés dans des filiales soumises à une fiscalité privilégiée. Ce qu'on ne sait pas, c'est que pendant des années, la DVNI a utilisé l'article 209B pour imposer les plus-values sur titre de participation réalisées par les filiales allemandes des sociétés françaises, parce qu'en France, les plus-values sur titre de participation n'étaient pas exonérées alors qu'elles l'étaient en Allemagne. Et puis, cet article 209B il s'est avéré contraire à la liberté d'établissement. Et donc, le principal outil qu'on pouvait avoir contre les différences d'imposition selon les États, la concurrence fiscale anormale, etc., on l'a perdu. C'est-à-dire qu'autrefois, on pouvait imposer les filiales françaises, irlandaises, en Irlande, des sociétés françaises, parce que l'impôt était à 14%, ou en Slovaquie, ou enfin, à l'époque, c'était pas dans l'Union européenne, mais ou en Slovaquie, ou en Tchéquie, ou avec la flat tax, aussi, aux alentours de 12-13%. Aujourd'hui, on ne peut plus. Donc, on prend à plein la concurrence, etc. Et donc, les mécanismes d'évitement, ben, vous le savez mieux que moi, passent par des délocalisations massives des activités. Autre exemple. L'exit tax. Avant, au départ, on payait l'impôt sur les plus-values potentielles en France avant de partir où il fallait constituer des garanties. Bon.
quand le système avait été institué, j'avais dit, je me souviens, à l'Assemblée générale du Conseil d'État, j'avais dit, vous devriez vous méfier de la jurisprudence européenne sur la liberté d'établissement. Tout le monde veut dire, mais non, vous exagérez, etc. Ça n'a pas manqué. Il y a un homme d'affaires, la Syrie du Saillant, qui a fait un pourvoi, un recours, et qui a obtenu l'annulation du système. Il a fallu le refaire complètement, etc. Et tout ça n'est pas terminé. Alors en plus, il y a un truc maintenant ravageur, qui est la combinaison du droit de l'Union européenne et de la QPC, bon, et du droit constitutionnel. Je prends... et pourquoi c'est ravageur? C'est parce que le Conseil constitutionnel a adopté récemment, non suivant la jurisprudence du Conseil d'État, mais qui avait porté sur un sujet très modeste, adopté récemment le système, le raisonnement de la discrimination à rebours. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la discrimination qu'on connaissait, qui était sanctionnée par le droit européen, c'était la discrimination dans laquelle on était un étranger, membre de l'Union européenne, une société étrangère, membre de l'Union européenne, intervenant en France, était moins bien traité qu'une société française. Maintenant qu'il y a discrimination à rebours, le fait pour une société française d'être moins bien traitée qu'une société européenne justifie également une sanction pour rupture d'égalité devant la loi. Alors, en plus, le juge, maintenant, combine la question préjudicielle à la CJUE et la QPC. Par exemple, le Conseil d'État vient de rendre récemment un arrêt, le 31 mai 2016, qui était sur la plus-value d'échange de titres. Quand vous êtes français, ou quand vous êtes résident français, vous réalisez une plus-value d'échange de titres, celle-ci n'est pas imposable. Quand vous partez et que vous allez en Belgique, où les plus-values ne sont pas imposables, est-ce que quand vous cédez vos actions, cette plus-value pourra être partiellement en France, partiellement imposable en France, à hauteur de la plus-value réalisée à la date où l'intéressé a quitté le pays? Et là, on s'aperçoit, la technicité des avocats a progressé de façon extraordinaire dans ce domaine. Et on a un avocat, enfin un contribuable, ce que vous voulez, qui est parti en Belgique et qui vient dire « Ah, mais ce qui est prévu, ce que le Conseil d'État avait admis d'ailleurs, l'imposition potentielle, l'imposition de la plus-value potentielle, elle n'est pas imposable en France parce que, je ne descends pas dans les détails techniques, mais enfin je vous dis, parce que cette plus-value d'échange n'est pas un report d'imposition mais un sursis d'imposition. La directive fusion n'était pas claire. On renvoie la question à la CJUE. Alors, elle va se prononcer sur la directive. Alors, dans ce cas-là, si elle dit effectivement que la directive prévoit un report d'imposition, aucun problème, le type est imposable en France sur ses bénéfices, sur sa plus-value potentielle. Mais si elle dit le contraire, si elle dit que c'est un souci d'imposition, au niveau du droit européen, l'intéressé ne devrait pas être imposé. Donc il est discriminé par rapport au contribuable européen, d'un État membre européen, qui ferait l'opération inverse en France. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, ce sera censuré. Autre exemple, enfin, le dernier que je donne, mais qui est quand même tout à fait caractéristique, c'est l'histoire de la CSG et de la CRDS sur les revenus patrimoniaux des résidents de l'Union européenne qui ne sont pas affiliés en France à un régime de sécurité sociale. Bon. Ça fait 20 ans, 30 ans, même plus, que la Cour de justice dit que la CSG et la CRDS sont des cotisations sociales. On a toujours dit que c'était des impôts. Mais pour l'application des conventions de sécurité, des accords, des règlements de sécurité sociale, la Cour de justice a toujours dit ce sont des cotisations sociales. Donc ça n'a pas manqué. Quand
un résident belge était venu dire à mes qui avait réalisé des plus-values en France, mais ne doit pas payer la CSG et la CRDS, la Cour de justice a dit, bah oui, vous n'êtes pas affilié en France et réglé ce qui était ceci. Alors le gouvernement a dit, bon, très bien, on va rembourser. On perd un temps incroyable, on est là pour des mois et des mois remboursés, puis c'est pas négligeable. Et puis le gouvernement dit, ah ben oui, mais alors on va tourner la difficulté, au lieu d'affecter la CSG directement aux régimes sociaux, on va l'affecter au budget, puis c'est le budget qui reversera. Alors moi, je me souviens, on a fait ça pour les anciennes taxes parafiscales. Bon, moi je demande à voir ce qui va se passer devant la CJCE, parce que l'affaire va revenir, et qu'on est véritablement dans si c'était une personne privée qui avait fait ça, on dirait c'est un montage. Voilà, et donc pour vous dire que d'une part, la fiscalité, les défauts de la fiscalité génèrent des mécanismes d'évitement, et d'autre part, nous sommes très gênés par la jurisprudence européenne, et maintenant par la jurisprudence constitutionnelle, pour imaginer des mécanismes qui font échec à l'évitement. Alors, je dis un mot de l'international pour dire que, bien entendu, en matière d'évitement, c'est un problème central. Alors, on compte beaucoup sur le BEPS, le CDE, pour, et les échanges d'informations, etc. Et ce qui est très important, c'est que tous les États qui participent à cet accord BEPS se mettent d'accord, ils le sont en principe, se mettent d'accord sur la définition de l'établissement stable. Parce que la définition d'établissement stable est au cœur de la territorialité de l'impôt sur les sociétés. Là, les progrès technologiques font que les entreprises sont capables de rendre désormais des services payants à des résidents français sans avoir d'établissement stable en France. C'est les problèmes de Google. Mais prenez les problèmes de Booking.com. Booking.com est en Belgique. Ils n'ont pas été, ils se sont gardés d'avoir un établissement stable en France. Voilà. Et donc, ils ne sont pas imposables en France, alors même que une part importante de leur clientèle est française. Sur la TVA, je veux dire, c'est un problème alors vraiment européen, mais une des difficultés de la fraude carousel, etc., c'est le choix qu'on a fait pour déterminer la personne qui doit régler la TVA. Je termine ce point en disant un mot de l'impôt sur les sociétés, parce qu'il y a une chose qui est très à la mode, qui est l'unification au sein de l'Union européenne de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Alors, bon, ça a échoué, mais donc l'Allemagne et la France ont dit, si les autres ne veulent pas, nous, on va le faire. Mais on a une situation très différente de celle de l'Allemagne, parce que nous avons beaucoup plus d'abattements et de réflexions sur l'assiette de l'IS, l'amortissement dégressif, etc., etc., que l'Allemagne. De sorte que nous avons un taux effectif d'imposition qui n'est pas de 33%, mais qui est de 26%. Et donc, le jour où on fait l'assiette commune avec l'Allemagne, on va faire apparaître un taux de 26%. Et bien entendu, je ne connais pas un gouvernement de droite ou de gauche qui résistera au plaisir d'augmenter ce taux. Et donc, à ce moment-là, alors qu'aujourd'hui, on est à peu près concurrentiel en matière de taux d'impôt sur les sociétés, on ne sera plus. Et donc, si on est plus concurrentiel en matière d'impôt sur les sociétés, les entreprises, notamment étrangères, qui sont établies en France, imagineront de nouveaux mécanismes d'évitement. C'est une espèce de spirale ascendante. Alors, un dernier mot sur l'abus de droit. L'abus de droit, c'est une invention de la Cour de cassation et du Conseil d'État, mais qui remonte au droit romain, c'est ce qu'on appelle la fraude à la loi. Alors en 1941, on a eu un texte dans le CGI qui était destiné à réprimer l'abus de droit
en matière de droit d'enregistrement, et le critère de l'abus de droit, c'était la recherche d'un but exclusivement fiscal. Et puis, en 1957, puis en 1982, le Conseil d'État a étendu le champ de l'abus de droit à tous les impôts. En 2006, Jeanfin, où on a mis en commun la jurisprudence de l'Union de la CIJUE, et du Conseil d'État, avec maintenant deux critères, la fraude à l'esprit de la loi et la recherche d'un but exclusivement fiscal. Et puis le législateur a transcrit la jurisprudence du Conseil d'État. Simplement, il a remplacé le but exclusivement fiscal par le but principalement fiscal, et ça a été censuré par le Conseil constitutionnel, toujours le Conseil constitutionnel, qui a expliqué que s'agissant d'une sanction de nature pénale, avec un taux de 80%, on ne pouvait pas admettre une définition imprécise de l'abus de droit, et qu'il fallait s'en tenir au but exclusivement fiscal, et que principalement fiscal était trop imprécis. Alors, comment est-ce qu'on utilise l'abus de droit ? Je dois dire que l'abus de droit est utilisé à tort ou à travers, ce qui fait perdre une partie de son efficacité. C'est-à-dire que l'administration, quand elle n'arrive pas à faire le bon raisonnement juridique, pour reconstruire la bonne analyse juridique de la situation réelle, elle dit abus de droit. Bon. Et puis, elle dit pénalité 80%. Bon. Alors, les gens sont un peu affolés. On négocie, et puis on arrive à un truc. Voilà. Enfin, le bon raisonnement, la bonne méthode, c'est pas ça. La bonne méthode, c'est de regarder quelle est la bonne situation juridique, quelle est la bonne analyse juridique, et ensuite d'apprécier s'il y a un non-abus de droit. Parce que si les gens vont au contentieux, ils se voient au contentieux en cours à l'échec. Alors, je voudrais aussi dire un mot des montages, puisque les fameux montages qui se renouvellent en permanence, etc. Alors, vous savez qu'aux États-Unis, on a un système beaucoup plus rude, puisque les avocats sont obligés de déclarer les montages, et que s'ils ne les déclarent pas, ils sont responsables fiscalement. En France, on a voulu mettre en place, on avait imaginé de mettre en place un système analogue, mais finalement, c'était très compliqué à mettre en place. On ne l'a pas fait. Alors l'administration maintenant publie les contrôles, les montages qu'elle estime condamnables. Mais le problème de l'administration, c'est qu'elle connaît ses montages à l'occasion du contrôle fiscal et qu'elle est donc toujours en retard d'un train. Et donc moi j'avais imaginé, mais alors je me suis heurté à beaucoup de scepticisme, il y a une concurrence terrible entre avocats. Quand vous voulez faire un évitement, vous allez voir, par sécurité juridique, plusieurs cabinets pour voir ce qu'ils vous proposent. Autrement dit, c'est le salon de l'évitement, avec les exposants qui sont les différents avocats. Alors, et là, il y a des cabinets sérieux et des cabinets moins sérieux. Les cabinets sérieux, ils refusent en général le montage qui a été proposé par un autre cabinet. Et le cabinet pas sérieux, pourvu qu'il ait 50 ou 100 millions d'assurance responsabilité professionnelle, lui, il vend à tire l'arigot ses montages. Et donc les avocats qui ne proposent pas le montage, par honnêteté, professionnels sont un peu maris. Et moi j'avais imaginé un système dans lequel un système composé de gens compétents auquel aurait pu être envoyé anonymement les montages par les praticiens, les montages que ceux-ci étaient estimés critiquables. Le système aurait marché puisque ils n'ont pas envie de voir le montage critiquable fonctionner avec les honoraires dans le cabinet Mozart. Et donc on aurait pu avoir, à mon avis,
C'est peut-être difficile à monter, mais enfin, il faut être un peu pragmatique, il ne faut pas prévoir des choses trop juridiques, trop compliquées, etc. Et ça aurait pu fonctionner, ça aurait permis à l'administration d'être au courant des montages au moment où ils commencent à être vendus, et non pas 4 ans après. Alors, je termine en disant quand même un mot, c'est que il ne faut pas oublier que dans la concurrence fiscale mondiale, l'élément de sécurité juridique est très important. Et que, en matière de sécurité juridique, pour des raisons diverses sur lesquelles je ne reviendrai pas, en dépit de tous les efforts qu'on a faits, on n'a pas bonne réputation à l'étranger. Et la crise de 2008 a joué un grand rôle parce qu'il y avait un mouvement d'amélioration de la sécurité juridique qui s'est arrêté net, puisque à partir du moment où on est en crise, il faut des recettes, et à partir du moment où il faut des recettes, on n'est pas très favorable aux mécanismes de sécurité juridique. Alors cependant, il y a un élément qui est ressorti, etc., qui est la relation de confiance entre le service fiscal et lui. Alors, franchement, j'y crois pas beaucoup. Quand on veut parler d'évitement, je conclue là-dessus, c'est un peu iconoclaste de dire ça, mais je dirais que quand vous consultez les directeurs financiers des entreprises internationales non françaises, ils vous disent que le contrôle fiscal en France n'est pas très efficace, qu'il est moins efficace que dans les pays anglo-saxons, qu'il est moins efficace que le système anglais, qui est un système qui est une espèce de relation de confiance, mais qui s'est établie depuis longtemps entre l'entreprise et... Et qu'est-ce que vous voulez quand on envoie... alors, il y a des brigades qui sont spécialisées, etc. Mais quand une brigade de la DVNI envoie 2 vérificateurs vérifier une entreprise qui fait 30 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas à la hauteur. Je veux dire, ils vont naturellement contrôler un certain nombre de choses, etc., etc. Mais ils peuvent pas... contrôler, bien que ces entreprises soient en vérification fiscale permanente, il y a un certain nombre de choses qui leur échappent. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, on a élargi notamment l'accès aux comptes consolidés, ce qui est très important pour les entreprises françaises internationales, etc. Mais malgré tout, si vous voulez, l'évitement, ça commence par la législation, mais ça se termine aussi par la façon dont on envisage les relations entre les entreprises et le contrôle fiscal. Et à l'heure actuelle, les relations entre les entreprises et l'administration ne sont pas bonnes. Il y a une méfiance réciproque, ça a toujours été vrai, mais en ce moment, ça atteint un degré très élevé. Et donc, franchement, ça ne facilite pas le contrôle fiscal. Donc, législation mauvaise, contrôle fiscal insuffisant, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des évitements.